Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a eu les informations au sujet de Travis Scott, donc je vais vous fournir tout ce qu'il faut savoir sur l'événement Astronomical qui aura lieu sur Fortnite durant cette semaine. Je vous l'ai dit, le nom de l'événement sera Travis Scott Astronomical. En effet, on a eu un petit leak déjà un peu en avance. On savait qu'à 18h, on allait avoir plus d'informations sur ça. Bon, certaines personnes ont quand même tourné en mode « Ah, oh, c'est à 18h le concert, go faire un live et tout !» Réaction alors qu'on savait pertinemment qu'il n'y aurait pas de concert, hein. Tout de suite, vu qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait dans les fichiers du jeu, il fallait une grosse mise à jour avant. Mais on savait qu'on allait donc avoir une annonce qui allait nous parler de ce qu'on allait pouvoir retrouver durant cet événement. Et en effet, il s'agit bien d'un événement. Voici le tout premier visuel qu'on a, un visuel très coloré dans l'univers de Travis Scott, forcément dans l'espace, etc. Le choix d'Epic Games de prendre Travis Scott cette fois-ci est vraiment très intelligent, parce que tout comme Marshmello, c'est deux artistes qui ont vraiment un univers à eux, ils ont vraiment une personnalité et une charte graphique. Marshmello, lui, il avait forcément cette tête, ce masque, le fait qu'il soit masqué, qu'on ne sache pas qui est sous ce masque, qui fait qu'on a quand même un personnage, qu'on a des choses à exploiter. Pareil, Travis Scott, depuis son album Astroworld, il s'est créé tout un univers, tout un thème autour de lui, qui fait que bah son image peut être utilisée pour plein de choses. Et je trouve que le choix de Fortnite de s'allier à lui est une très très bonne idée. Je vous mets une petite liste aussi de recommandations pour ceux qui ne connaissent pas du tout Travis Scott, pour écouter quelques-uns de ses sons qui vous donneront un aspect global sur les capacités de l'artiste, etc. Histoire de vous préparer pour les prochains jours à venir. Et forcément sur cette image on a déjà un premier aperçu du skin, hein, voilà, le fameux skin. On voit en bas justement le petit Fortnite X Cactus Jack, qui est tout simplement le nom de son label, avec lequel il a même sorti un album Jack Boy, qui est aussi vraiment pas mal, que je peux vous recommander. Par contre c'est un peu plus spécial vu que c'est un album de groupe. Bien qu'il soit sur quelques sons, il y a aussi beaucoup de feats et ils sont à chaque fois à peu près 3-4 par son minimum, donc ils ne chantent pas en permanence. Pour maintenant les dates du concert, parce que forcément c'est ce qui intéresse, hein. Comment on assiste au concert Jack by 9? Bah tout simplement il y aura plusieurs représentations. Voilà, ils savent que la dernière fois avec Marshmello, ça avait été compliqué suivant là où vous habitiez à travers le monde d'assister à l'événement, et là ils ont tout de suite prévu le coup en fait. Ils vont faire plusieurs représentations, il y en aura un nombre de 5, donc voilà 5 occasions de participer à l'event. Ce sera du 24 au 26, et on pourra donc, comme ils le disent, s'envoler vers un voyage hors du commun lors du concert de Travis Scott, avec l'avant-première mondiale d'un tout nouveau morceau de sa part. Le tout est forcément inspiré de l'univers de Cactus Jack. Et la toute première représentation pour nous sera le 24 avril à 1h du matin. Donc c'est pas clairement la meilleure horaire. Donc voilà, c'est clairement pas ouf. On en aura une pareil le vendredi plus tard dans l'après-midi à 16h. On en aura une autre le samedi 25 à 6h du matin. Une le samedi 25 à 17h. Et une pour terminer le dimanche 26 avril à minuit. Donc en gros, si vous préférez, dans la nuit de samedi à dimanche à minuit, si vous préférez, voilà, c'est plus clair peut-être comme cela. Quand vous participez à l'event, vous pourrez obtenir ces récompenses. On a donc deux écrans de chargement et un planeur qui fonctionne comme une planche, en fait, qui est un wagon, justement. Donc c'est vraiment très stylé, hein. Je suis très très content, forcément, je suis hype, les gars, mais vous imaginez pas comment. Et à partir du 21, donc demain, grâce à la mise à jour, on pourra accomplir des défis pour débloquer des récompenses. Parmi elles, on a forcément un spray et une icône de bannière, et on a bel et bien aussi une emote. Alors cette emote, pour les connaisseurs, pareil, ils ont peut-être reconnu, elle fait référence directement à ce mème de Travis Scott qui était lors pendant un concert, avait pris le micro au-dessus de sa tête et l'avait agité justement. Fortnite parle de différentes tenues, donc voilà, apparemment peut-être qu'il y aura plusieurs skins. Un skin sera bel et bien aussi disponible dans la boutique, et il nous conseille de nous connecter 30 minutes avant le début de chaque event pour pouvoir assister dans les meilleures conditions. Dans tous les cas, pour la première représentation, on sera en live sur ma chaîne YouTube, et il y aura bien évidemment une rediffusion. Mais voilà tout pour les informations sur ce concert de Travis Scott. En tant que grand fan de Travis Scott, forcément, je suis aux anges. Il y a pas mal de théories aussi autour des écrans de chargement qu'on peut voir. Est-ce que cela va être un tout nouveau skin aussi, une variante? Apparemment, Travis Scott pourrait avoir des variantes. Il pourrait aussi avoir plus de choses que ce qu'on a déjà vu ensemble. En tout cas, tout sera ajouté avec la mise à jour demain et le début de l'événement. Donc moi, je vous donne rendez-vous demain pour tout le reste des informations. Et sur ce, à plus tout le monde. N'oubliez pas le petit code créateur Jack by 9, Cactus Jack, Jack by 9, Travis Scott. C'est un rapport, les gars. Merci à tous. Oh,